Bonjour, salam alaikum, marhaba bikoum, bonjour à toutes et à tous. C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur la chaîne de l'Académie Digitale Olympique. Je rappelle, l'Académie Digitale Olympique est un espace de réflexion, un espace de partage, un espace d'échange d'expériences entre professionnels du sport. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très intéressant, très important, je dirais même essentiel pour le sport d'élite. On va parler de la kinanthropométrie. Et pour cela, nous avons des invités de marque. Nous avons le professeur Jordi Porta. Bonjour, professeur. Bonjour, salam alaikum. Salam alaikum, professeur. Bienvenue et merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous êtes professeur en sciences des sports et un des grands spécialistes au monde de la discipline ou de la science anthropométrie. Merci pour votre présence. Nous avons aussi Dr Salahdine Haddo. Il est pharmacien de formation, mais il est aussi un spécialiste de la nutrition des sportifs. Il a été formé avec le Comité international olympique et aussi formé à la kinanthropométrie. Alors, moi, ma question, messieurs, c'est Salah Marhbabik, et merci beaucoup d'être présent avec nous. Merci beaucoup. Voilà. Alors, moi, ma première question qu'on se pose ici avec l'équipe du Comité national olympique et avec beaucoup certainement qui le suivent et que je salue à nouveau et je leur dis merci pour leur présence. Je rappelle qu'ils peuvent aussi poser leurs questions à travers le chat que je vais essayer de lire. Je ne promets pas que je lirai toutes les questions, mais je prendrai le maximum de questions qui seront posées par vous via le chat. Alors, professeur, moi, ma première question, comment définir et qu'est-ce que c'est que la kinanthropométrie? Bon, c'est ça, la vidéoconférence, on va parler, on va essayer quand même de répondre à cette simple, mais très importante et complexe question. Donnez-moi le temps pour l'expliquer. Professeur, je voudrais quand même, juste si vous me permettez, je vous interromps deux secondes, je voudrais quand même rappeler à tous ceux qui suivent la visioconférence que vous êtes d'origine espagnole et que vous avez fait votre formation et vos recherches dans ce domaine aux États-Unis. Oui, c'est ça. Et moi, je trouve fabuleux, vous êtes espagnol, vous étiez formé aux États-Unis et vous allez nous faire la présentation en français. Oui, bien sûr. Quand même, j'ai essayé. C'est formidable. Je vous demande pardon pour mon français, mais je crois que je serai capable de me débrouiller et quand même, je suis tranquille. Et je vous demande à tous qui sont avec nous de rester tranquille parce que tout ce que je vais expliquer, ça sera écrit. Cette présentation, vous l'aurez s'il est de votre intérêt parce que je vais vous la donner. Merci beaucoup, professeur. Donc, je peux dire à tous les participants qui nous suivent que votre présentation sera publiée sur le site du Comité national olympique et qu'ils peuvent la récupérer et que s'ils ont des questions, vous serez toujours là. Et bien sûr, avec nous, Dr Salahdine Haddo, qui est aussi formé, je pense, niveau 1 à la kinanthropométrie. Je rappelle que le professeur, il est niveau 4. C'est Criterion, c'est ça, ce qu'on dit? Oui, c'est ça, comme on dit, oui. Voilà, donc merci beaucoup professeur, mais juste pour vous dire, votre français, il est parfait, et comme j'ai dit tout à l'heure, j'adore votre accent catalan, c'est parfait. Bon, attendez, mais je voudrais quand même vous dire que j'ai fait beaucoup de présentations, parce que je suis très vieux, encore jeune, mais très, très vieux chronologiquement, mais cette présentation a quelque chose de spécial, parce que je vois que c'est un petit, mais premier pas pour un grand projet que mon collègue de l'ISAC, le docteur Salah, a envisagé avec le Comité national olympique marocain. Et je crois que ça va faire du bien pour le sport marocain. Effectivement, notre objectif au Comité olympique, c'est d'être au service du sport marocain et aider les fédérations et les sportifs marocains à progresser dans leur domaine. Alors, je reviens à ma question, professeur. Comment définir la kinanthropométrie et qu'est-ce que c'est que la kinanthropométrie? Pourquoi c'est indispensable pour le sport d'élite? Oui, bon. Laisse-moi ouvrir la présentation. En premier lieu,
Ce que vous voyez ici, c'est l'Institut national d'éducation physique et sport de Barcelone, là où j'ai enseigné pendant 35 ans. Et maintenant, je suis retiré du cours de bac, mais je suis actif dans les programmes de doctorat et de master, et surtout dans le cours de l'ISAC de kinanthropométrie. Et quelques paroles pour vous dire que le directeur de cette institution, du NEF Barcelone, c'est un kinanthropométriste de niveau 3 et même est devenu le directeur de l'INEF. Il fait seulement 3 semaines. Il m'a dit de vous dire, pardonnez la réitération, de que vous serez toujours bienvenue dans notre site de l'Institut national d'éducation physique et sport de Barcelone. Eh bien, merci beaucoup. Eh bien, on vous remercie. Et c'est avec grand plaisir qu'on continuera cette collaboration entre le sport marocain et le sport espagnol. On démarre. Bon, kinanthropométrie, c'est avant tout une science. Je vais dire pourquoi. Mais avant tout, permettez-moi de concrétiser les objectifs de cette présentation. En premier lieu, répondre à ce que vous m'avez demandé. Qu'est-ce que c'est la kinanthropométrie et pourquoi c'est important ou pourquoi peut-être important, pas plus que les autres sciences appliquées au sport. C'est une science qui va aider l'optimisation sportive. Et après, l'autre objectif, c'est la présentation de la Société internationale pour l'avancement de la kinanthropométrie ISAC. Il y a un index qu'on ne va pas lire parce que ça va demander du temps, mais je dois vous dire que pour les problèmes du temps qu'on a, ici il y a une part que c'est le contexte historique de la mesure de l'homme, qui sont 10 diapositives, que pour le manque de temps, je vais les sauter, mais comme vous les aurez, il n'y aura pas de problème. Très bien. Alors, il fait beaucoup d'années, 4 millions peut-être, que quand nous sommes descendus des arbres, la humanité a évolué épigénétiquement dans différentes tailles, formes, proportionnalités et compositions corporelles. C'est important d'abord connaître ce que veut dire ces mots ou ces concepts épigénétiques. Les termes a été inventé en 1942 par Conrad Hall Wellington pour désigner l'étude des interactions entre les gènes et l'environnement qui se produisent dans les organismes. Ça, c'est très important parce que c'est une manière de se demander ou de répondre à la question qu'on fait, mais qu'on ne devrait pas faire. Les athlètes, les top, les athlètes d'élite, ils naissent ou on peut les construire. Aujourd'hui, avec la génétique, avec la biogénétique, cette question, c'est déjà presque complètement clair. Quand même, il faut connaître un peu le contexte dans lequel nous sommes. La kinanthropométrie est une spécialisation de l'anthropologie. L'anthropologie, c'est la mère de toute la science. C'est là parce que, étymologiquement, anthropo, ça veut dire homme, veut dire discuter. Et alors, toutes les sciences sont une spécialisation ou des fils ou des grands-fils de l'anthropologie. L'anthropologie physique, spécialement, qui s'intéresse à l'origine et l'évolution et la diversité des personnes. Il y a, comme je vous ai dit, diverses spécialisations, paléoprimatologie génétique, axiologie, médecine légale ou forensique, et l'anthropométrie. En conclusion, l'anthropométrie est le père et la mère de la kinanthropométrie. Très bien. L'anthropométrie. Maintenant, on est dans les points. En suivant
la nécessaire spécialisation de toutes les sciences. La kinanthropométrie est née par l'intérêt des scientifiques qui travaillaient dans le monde de l'activité physique et de l'esport pour faire une anthropologie ou anthropométrie plus liée aux nécessités de l'esport et de l'activité physique et de la santé. C'est pour ça qu'en 1966, on a créé ce contexte. Et le pop de la kinanthropométrie, ce sont les professeurs William Ross et Marcel Hebelin. William Ross, c'est canadien, ça a été mon mentor dans le monde de la kinanthropométrie, et Marcel Hebelin est belge. Quelque chose d'important, c'est que la kinanthropométrie, c'est une science. Et ce n'est pas parce que je dis que c'est une science que j'ai des intérêts dans la kinanthropométrie. C'est une science parce que the United Nations a dit que c'est une science, il fait déjà beaucoup d'années, 1978. Alors ça doit être clair. Hein? Maintenant, d'ici on parlera, l'anthropométrie doit être définie comme une science au service de l'esport. Une science consacrée à l'étude de la relation entre la forme et fonction. On verra qu'est-ce que ça veut dire forme. Fonction, c'est clair, c'est la capacité de l'homme à bouger, à faire des performances. Étymologiquement, kinanthropométrie, c'est clair. Kinesis veut dire mouvement, anthropos, homme ou femme. Aujourd'hui, on va parler toujours de la femme et de la mesure. Je crois que si maintenant, quand on demande à quelqu'un, même un scientifique, qu'est-ce que c'est la kinanthropométrie, il y a toujours un interrogant. Mais si on pense au sens étymologique, il n'y a pas de problème. C'est une science qui étudie le mouvement dans les sports, l'activité physique et santé. À la praxis, la kinanthropométrie est une science consacrée à l'étude des size. Ce concept c'est en anglais size parce qu'il intègre la taille et le poids. Je n'ai pas trouvé l'équivalent en français parce que si on regarde size au dictionnaire, il met taille. Mais je concrète, intègre la taille et le poids. D'accord. La kinanthropométrie étudie la forme. Pour Najibit, on doit être bâti d'une forme spéciale. Une forme spéciale, que ici, une image vaut mieux que 1000 paroles. Alors, on va retourner sur ça, mais je crois que c'est clair comment on doit être, quelle forme on doit tenir pour Najibit, même la fille. Après, il y a la proportionnalité, très importante, parce que un haltérophile ou pour jouer à basket, il n'est pas nécessaire, c'est grand, mais plus que grand, il faut tenir autre vertu morphologique qu'on étudiera après. Et les jours de la couronne, c'est la composition corporelle. Mais pour pouvoir optimiser le présent et prédire un milieu à venir, il faut retourner au futur. C'est comme les Anglais disent « back to the future ». Et ici, je vais passer rapidement par se remettre au temps d'Hippocrate, le père de la médecine. Oui. Tout le monde connaît Hippocrate, mais pas tout le monde connaît... Docteur, professeur, là, on va faire un retour vers le passé, non pas vers le futur.
Oui, mais maintenant, c'est important connaître qu'Aristoteles avait écrit un traité nommé Physiognomica, dans lequel il étudiait dans deux volumes, des gros volumes, la relation entre la forme de même les visages et la capacité physique des hommes. Ce que 1400 ans après, on peut trouver dans de nombreux livres. Ici, Mars est un exemple. On peut noter que les muscles des meilleurs nageurs sont arrondis et les muscles des meilleurs gymnastes sont carrés. Et ça, c'est une constante qu'on verra toujours. D'ici, si on doit faire un saut, comme je vous ai dit, à la praxis, au moment, à ce moment, de la kinanthropométrie et le sport. Kinanthropométrie, je répète, c'est à masse, c'est quelque chose d'essentiel pour l'optimisation des performances, notamment pour la sélection des talents et le choix du sport ou spécialité. Et voici l'opéra prima, la première fois qu'on a étudié les athlètes, un petit nombre d'athlètes, mais ça s'est fait, ça s'est déjà été fait aux Jeux olympiques de Paris en 1900. C'est quelque chose d'extraordinaire. Hein? Et si on veut, dire que vous pouvez encore les relire. Et après, il y a une très forte liaison entre la kinanthropométrie et les Jeux olympiques. On a fait des études, des macro-études, alors, dans cette Olympiade, la première 1928, Olympiade d'hiver, Amsterdam, London, etc., etc. La plus importante, c'est peut-être les études qu'on a faites à Mexico, où on a étudié 3000 athlètes, et ce que c'est plus important, c'est qu'on a étudié les athlètes et ses parents, parce qu'on a fait une étude kinanthropométrique et même anthropologique. C'était quelque chose d'extraordinaire, mais dommage, beaucoup de ces dates sont perdues. On a fait des études à München, Montréal, Calgary et Boga, Barcelone 92. Qu'est-ce qu'on a fait avec les Barcelona Olympic Games Anthropometric Project? Oh, malheureusement, nous avions la volonté, les meilleurs anthropométristes de tout le monde, et même de l'argent. Mais la commission médicale du COI ne l'a pas approuvé. Parce que, pourquoi? Parce qu'on est arrivé au temps de que tous les pays sont très jaloux de ces athlètes. Le dopage était en pleine forme. On ne voulait pas qu'on voyait ou qu'on touchait à ces athlètes. Heureusement, nous sommes toujours fiers d'avoir réalisé la première étude d'évaluation de la masse grasse par résonance magnétique nucléaire des 50 athlètes olympiques. La première fois qu'on faisait cette étude avec des athlètes olympiques. Et c'est encore l'unique étude qu'on a fait avec résonance magnétique avec athlètes olympiques. Les dernières études de kinanthropométrie olympique non officielles, parce que ils ont fait ça de cachet, c'est le travail de Auckland, Perry, Rich sur 40 athlètes de kayak et de rowing. Il y a d'autres études macro-kinanthropométriques. 90 ans, on est sur le sport aquatique, on a étudié le championnat mondial de basketball féminin, football, 95. Et ce qui vous intéresse le plus, parce que c'est l'unique étude qu'on a fait à l'Afrique, les All African Games,
on a fait une étude au 95 à Zimbabwe, à Harare. Et finalement, on a une autre importante étude qu'on a fait pour Scanotiste en 97. Professeur, si je peux me permettre, donc oui. La kinanthropométrie, si j'ai bien compris, pour résumer pour ceux qui nous suivent, c'est l'étude de la cohérence entre, je dirais, la forme physique du sportif et ses capacités à traduire cette forme ou ses capacités à performer avec le physique qu'il a, c'est ça? Oui, dit de notre façon, c'est la relation entre sa morphologie et la capacité physique. Parce que, comme on verra, pour cette spécialité sportive, on doit être battu, on doit avoir une morphologie spéciale. Pour les sports. Alors, professeur, vous avez mené des études. Est-ce que vous pouvez partager avec nous les résultats de ces études? Qu'est-ce qui vous ont montré ces études? Oui. On va voir ça. Ah, d'accord. Très bien. Très bien. Bon, avant tout, on doit se demander si l'homme change-t-il. Même Salah, vous voyez ici le docteur Salah? Oui. C'est toi, n'est-ce pas? Bon. Il avait un peu plus de cheveux sur la tête, professeur. Oui. La réalité, c'est que la proportion dorée au divine, auparavant, on croyait que la proportion idéale des hommes, même des athlètes, était la que de 1000 ans, Vitruve et Leonardo da Vinci ont dit, non? Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas comme Leonardo da Vinci a désigné qu'il, comme tous les grands savants, il a copié des autres. Et cette icône que tout le monde connaît, ce n'est pas de Leonardo da Vinci, c'est d'un architecte du premier siècle de notre ère, de l'ère occidentale chrétienne. Pour vous, c'est 600 ans avant, après, qui a étudié les mesures de l'homme, parce qu'il disait que tous les bâtiments, que toutes les armes, que tout devait être construit à mesure des hommes, des hommes. Ouais. Bon, voilà l'étude que j'ai faite en 2010. On a étudié divers groupes de population normales et sportistes régionales et on les a comparés avec les sportistes olympiques de Sydney. Et dans les femmes, la unique variable que les femmes actuelles avaient avec les Olympiques, c'était l'envergure, c'est ça qu'on dit. L'envergure. Dans toutes les autres variables, les femmes normales, pour soit dire, sont différentes aux Olympiques. Ça c'est normal, on attendait ça. Et il faudrait le prouver. Et dans les hommes, ils étaient, les hommes normaux actuels, même les sportifs régionaux, sont complètement différents des groupes olympiques. C'est-à-dire, est-ce que les meilleurs athlètes sont morphologiquement différents à la normalité? Ah oui, bien sûr, cette image, il nous dit tout, n'est-ce pas? Oui. Tout ça se connaît, les mesures du pied et des mains de ces mecs, qui a gagné 8 médailles d'or aux Jeux Olympiques de Beijing. Pour gagner 8 médailles d'or, on peut pas être normal, tout à fait. Et pour faire ce que vous voulez à haut niveau, comme disent les Anglais, si il te plaît ou non, les athlètes de haut niveau ne peuvent être comme la majorité de nous. Professeur, on est bien d'accord sur ce point, mais moi je suis curieux de vous poser une question. C'est la pratique sportive qui va améliorer la morphologie du sportif et faire de sa forme, ou faire de
je dirais, de sa morphologie, une morphologie adaptée au sport. Ce n'est pas l'inverse. Non. La morphologie, c'est en grande part une affaire génétique. Alors, il faut trouver les talents. Il faut sélectionner les talents quand ils sont des garçons, au maximum des adolescents, pour, selon sa morphologie, les indiquer quels seraient les sports les plus appropriés pour lui. D'accord. Alors, professeur, concrètement, je veux préparer, par exemple, des sportifs d'élite en natation. Je prends l'exemple de natation. Donc, ces sportifs-là, je dois à la fois regarder leur capacité technique, leur capacité mentale, mais je dois aussi faire de la kinanthropométrie, c'est-à-dire mesurer leur corps pour savoir s'ils sont adaptés à la discipline. Oui, tout à fait. Et j'explique ça plus tard. Comment D'accord. D'accord, très bien. Ensuite, pour savoir tout ça, il y a des références inquestionnables. La première, c'est du professeur Carter, une autre de mes mentors, qu'on est connu comme le père de la somatotopologie. Il a écrit le livre avec Barbara Honeymoon. Et là, il démontre que les athlètes qui ont ou obtiennent, comme je vous ai dit auparavant, ça d'obtenir, il faut les mettre en question. Hein? C'est une affaire génétique, principalement. Mm-hmm. Les physiques optimales pour un événement sont ceux qui vont réussir. Et je répète, il faut d'autres choses pour devenir un grand athlète. Mais maintenant, je parle de la morphologie. Il faut avoir tous les entraîneurs, tous les médecins de sport, tous vous qui travaillez au Comité national olympique marocain, vous aurez à voir ce livre, hein? Anthropométrie et sport. Aussi, voilà un autre livre qu'on doit avoir au sein du Comité national olympique marocain, Anthropométrica, un livre de Kevin Norton et Tim Holtz. Ici, on comprend pas seulement l'évolution morphologique, mais aussi pourquoi on cherche des spécimens si particuliers. Parce que c'est une question sociologique aussi. C'est extraordinaire, mais ce livre explique tout. Un autre livre qu'on doit avoir pour la joie de nos yeux, c'est le livre de Schatz, Athlète. Ici, il y a de milliers de figures de différents somatotypes sportifs. Mm-hmm. Et comme dit le français, c'est une parole, un concept que j'aime beaucoup répéter pour que ça serve dans tous les concepts de la vie. Vive la différence. Oui. Il faut accepter ça. Et il faut analyser ça pour ce qu'on veut. Alors, professeur, si vous me permettez, moi, j'ai une question. Je vois par exemple que le livre date de 2002. Depuis 2002 à aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de recherches scientifiques et technologiques. Est-ce que les études de 2002 sont toujours valables en kinanthropométrie pour aujourd'hui? Oui, sont encore valables. Sont encore D'accord. valables pour étudier quand même l'évolution. Quand on aborde un problème, on doit connaître toujours l'histoire. Parce que comme ça, on peut prédire le futur. Très bien, merci. Permettez-moi un exemple extrait de ce livre anthropométrique de Kevin Norton et Tim Holtz. Si vous voyez quelques matchs de tennis, les femmes se sont devenues des modèles d'art couture. Et parlant de modèles d'art couture, voilà trois exemples de modèles d'haute couture. À nous, c'est le modèle d'haute couture, mais régional, ce ne sont pas très connus. Au milieu, le modèle d'haute couture qu'ont quelques femmes, et en bas, les plus différents, qui sont les mieux. Les plus différents, pourquoi? Parce que, comme vous voyez, ils sont
très différent d'une population normale. Alors, Ouais. plus différent que tu es, plus mieux payé tu seras. D'accord. Mais Même... professeur, oui, Mais... je voudrais quand même revenir sur ce point-là. Ce ne sont pas des mannequins qui ont été destinés. Parfois, c'est à force de régime, à force de se priver de nourriture pour répondre à ce modèle que la mode exige. Oui, mais la taille, c'est un component génétique de 90% ou 90%. La taille, on peut faire rien pour modifier la taille. Bon, Je suis d'accord. on peut manger et faire manger mieux et faire un bon exercice dans ce qu'on connaît comme les périodes plastiques ou labiles, c'est-à-dire dans les périodes pubérales et premier rang de l'adolescence. Dans ces périodes, si on ne peut pas changer, modifier quelque chose, c'est clair ce que j'ai. Oui, bien sûr, bien sûr. D'accord. Donc, on peut modifier et non pas changer la morphologie, on est d'accord. Et même en tennis, si on ne fait pas 1,80 m, on ne peut pas faire le premier service à plus de 150 km par heure. Homme ou femme, on ne peut pas faire le premier coup de boule ou le premier service à plus de 150 km par heure sous le filet. Ouais, si on ne fait pas 1,80 m et plus. Quoi? Qui? Si on ne fait pas 1,80 m et plus, donc pour le tennis. Oui, c'est un D'accord. exemple pour le tennis. La proportion de vigne que nous a enseigné Léonard de da Vinci, Vitruve. Aujourd'hui, la proportion divine, on doit la changer pour un autre concept, la dysplasia. Je n'ai pas changé le nom, c'est un nom latin, parce qu'en français, je ne suis pas sûr comment on pourrait dire. Pas disparu. Dysplasie, ouais, c'est en latin, c'est bien. Biologiquement, la dysplasie, on la peut définir comme un développement normal de cellules hyperplasia. Hein? C'est ça, oui, ça c'est une dysplasie hormonale. Et qu'en anthropométrie, on peut la concrétiser ou la redéfinir comme la relation inégale entre les segments corporels. Voilà ce que sera un idéal au baseball. Un bras comme celui-ci de ce mec. Hein? Dysplasia, ou dysplasie, on peut la segmenter, on peut la dividir en absolu ou intersubjects. Il répond à quel point on est différent des autres en mesure de base, taille, stature, hauteur, assise, poids, masse, size. C'est que les Anglais disent size. C'est à toi, Salah, de trouver un nom en français ou en arabe équivalent à size. Et aussi, il y a la dysplasie relative au intrasubjet. À quel point mes propres parties du corps sont-elles différentes? Ça sera défini ou sera quantifié par les indices de proportionnalité. Oh, Galileo Galilei, qu'est-ce qu'il fait ce mec ici, là? Pues Galileo Galilei, il est connu pour beaucoup de choses, par ses théories héliocentriques, mais ce n'est pas connu par peut-être une loi, la de square cubique, qui est très importante en sport. Cette loi, il nous dit à quel point size, c'est-à-dire taille et poids, c'est important. Parce que pour descendre rapidement des montagnes, les skieurs, ils peuvent pas peser 70 ou 60 kilos. Ils doivent peser entre 90 et 100, mais pas de 100 kilos. Pourquoi? Ça vient d'expliquer dans cette loi des square root. On n'a pas le temps d'expliquer ça, mais quand même, vous avez cette référence. Les gymnastes, pour évoluer rapidement dans l'espace, il y a cette loi
nous dit que la proportion taille-poids, les poids des athlètes, des gymnastes, est à peu près 60 kilos, pas plus. Ah, ici, on arrive à ce qu'on doit mesurer. Les indices, on les rapporte. Envergure et stature. L'index de manœuvrier. L'index manœuvrier, c'est le niveau quand les membres inférieurs sont d'importance, sont longs en relation à la stature. On a les membres inférieurs longs ou non? Attention, membres inférieurs, parce qu'une chose, c'est avoir les membres inférieurs longs, et l'autre chose, c'est avoir la jambe ou la cuisse longue ou courte. Et ça, c'est très important. Ça, c'est très important pour vous, les Marocains, parce que vous avez des ethnies qui sont très, très appropriées à la course par une petite grande chose morphologique, les jambes longues et fines. On verra ça. Le corps, index cormique, c'est on te dit combien les troncs est important en relation à l'estature, si on a les troncs courts ou longs. Index brachial, il nous dit si l'avant-bras est long en relation à les segments supérieurs. Ça, c'est très important pour les lancers. Pour lancer une balle, comme on verra après, c'est important d'avoir les segments supérieurs longs. Mais plus important, c'est avoir l'avant-bras long et la main longue. L'index crural, il nous dit ce que je vous ai dit, ce que vous devrez déjà rapidement mesurer dans votre excellent coureur. La longitude de la jambe en relation à la stature. Et après, ce qui est important dans le sport féminin, l'index androgénique. C'est important parce que like it or not, on n'est pas le temps, mais ce n'est pas le moment de discuter sur problèmes sociologiques ou éthiques. Dans les sports féminins, dans beaucoup de sports, on doit être un peu androgénique. Sinon, il n'y a pas rien à faire. C'est ça. Reach, arm span and stature. C'est important pour jouer à basketball. Pourquoi? C'est notre fameux Gasol à centre de 1,15 m de stature. Il a bien joué, il s'est débrouillé à la NBA, pas pour ses 2,15 m. C'est déjà une bonne stature. Mais ce qui est le plus important, et je vous démontrerai après encore plus, c'est là où est-ce que tu arrives sans sauter, parce que tu ne sautes pas tout le temps. Et c'est ça qui lui a permis d'affronter les grands athlètes noirs qui sont à la NBA. Voilà ce que maintenant c'est un must, ce que les chercheurs des joueurs, des talents de la NBA cherchent. Des joueurs pas plus de 1,10 m. Ce qu'ils cherchent, c'est les rapports envergure et stature. Et voilà, ces mecs, 1,0 m, et les rois des rapports envergure. 1,096 m. Pourquoi? Parce que sans sauter, sans rien faire, il peut se mettre en front de quelques joueurs et le faire peur. Manœuvrier index. Combien de longs sont les membres inférieurs en relation à l'estature? Ils sont tous les deux gymnastiques, non? Mais qui est qui? Voilà le gymnastique idéal. Il est court, il est
une stature petite, mais ce qui est important, encore une image vaut mille paroles. Vous voyez le tronc qui est très long en relation aux membres inférieurs. Ouais. Ici, c'est le contraire. Vous voyez les membres supérieurs de cette fille, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est les membres les plus longs que j'ai vus dans mes 40 ans de carrière anthropométrique. Cette fille, c'est vrai, était une bonne gymnastique esthétique ou une bonne danseuse. Pardon. Et remarquez où est-ce qu'il y a, où est-ce qu'elle a son umbilicus. Tout ça, c'est membre inférieur. C'est ça. C'est comme ça qu'on doit être pour faire quelque chose d'esthétique. Oh, et pour sauter haut, pues, c'est la même chose. On doit avoir le membre inférieur long. Dans ce cas, la longitude de la jambe ou de la cuisse peut être proportionnelle. Mais il y a des spécialités, on reviendra à ça. Il y a d'autres spécialités que c'est le contraire, comme je vous ai dit. Le tronc doit être prévalent sur le membre inférieur. C'est un problème de physique appliqué, c'est un problème de gravité. Hein? Ici, il y a la quantification des indices orbiques. Ce que je vous disais, pour lancer quel que soit, une balle ou une javeline, pardon, le plus important, c'est le dernier eslabon de la cadence cinématique. L'avant-bras et la main. La main, surtout, c'est important pour les basketballeurs. Et tout ça, on peut le mesurer quand on est un garçon, déjà. Ici, les indices, c'est que vous avez. Pour lancer une balle, l'index brachial doit être le plus grand possible. Oh, vous connaissez ce mec, non? Ça a été mon idole, mon idole pendant beaucoup de temps. Je n'ai pas eu l'occasion de le mesurer, mais il y a toujours des exceptions qui font la règle. Hein? Mais on a des titres sur les coureurs de l'Afrique orientale et tous ces mecs ont des jambes longues. Je suis sûr que Saïd Aouita, El Garour et tous vos athlètes ont cette caractéristique. Sinon, ils ne seraient pas si efficients pour courir. Voilà ce que je vous disais de la différence entre avoir la cuisse longue ou courte. Pour pédaler, voilà Miguel Indurain, notre grand champion. Pour pédaler, il faut avoir la cuisse longue, parce que c'est un problème de level, de palanque, et les pieds. Mais pour courir, c'est au contraire, c'est la jambe et les pieds qui font l'importance. Marie-Josée Parec, c'est l'exemple le plus extraordinaire. Et maintenant, on vient au ce qui est un problème, socialement un problème, que c'est l'index androgénique. Pour nager vite, voilà comme on doit être de la mesure qu'on dit biachromiale. Tous les grands nageurs sont comme elle. Hein? Nageurs et nageurs. Mais il y a un problème esthétique pour les nageurs, non? Mais le problème, c'est pour les filles. Mais comme je vous ai dit, je ne suis pas ici pour discuter ces problèmes éthiques, mais la réalité, c'est que les sports qui ont besoin de vitesse, force, explosive, les filles doivent être un peu androgéniques. Pour une sélection de talents, nous devons commencer à mesurer
Avant la spécialisation, il y a des sports très, qu'il faut commencer très tôt. Il y a d'autres qu'il ne faut pas. Il faut attendre qu'on ait un adulte, peut-être dans l'athlétisme. Il faut, si vous avez un athlète qui est très rapide, qu'est-ce mieux faire? 100 mètres, 200 mètres, ou 110 mètres et aux 400 mètres, ça peut être attendre. Chronologiquement, il faut attendre aussi les périodes puberales, ce qu'on dit, ce qu'on connaît comme, pardon, ce qu'on connaît comme la vitesse de croissance maximale, que si on est un garçon, il peut être 15 ans, mais si on est une fille, et avant. Donc, professeur, si vous me permettez, je voudrais juste revenir sur une précision. Donc, vous dites que les mesures commencent à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à 18 ans, mais au plus tôt encore. Mais ça dépend du sport qu'on veut choisir, n'est-ce pas? Non. Et ça dépend si on veut orienter dans du sport de haut niveau. Donc, Oui. pour pratiquer le sport loisir, quelle que soit la taille, la forme, on peut le faire. Mais Ah, si je veux faire des sports d'élite, je peux faire les mesures à partir de même bien plus tôt, sûr. selon la discipline sportive. Bien sûr, monsieur FK, vous avez bien dit, pour faire le sport loisir, il faut faire ce qu'on plaît. C'est égal. Mais maintenant, nous parlons du sport d'élite. Alors, si vous avez un mec de 7, 8 ans qui aime la gymnastique artistique, parce qu'à 7 ans, il est biologiquement retardé. Mais vous savez que ses parents, s'ils sont d'une stature très haute, il faut lui dire à ces mecs, hey, tu peux faire ce que tu veux, mais tu dois savoir que quand tu auras 13 ans, tu feras 1,90 m. Et avec 1,90 m, on ne peut pas faire de la gymnastique artistique à Ah, haut niveau. on est d'accord, on est d'accord. Ok. Alors, je vous laisse finir, professeur, et j'ai des questions des collègues qui suivent avec nous la visioconférence, qui posent leurs questions. Je vous laisse finir et je vous poserai les questions après. Oui, on est en train de finir. Hein? Bon, on a parlé à des mesures de base, il faut définir aussitôt que possible Oui. pour détecter la. Excusez-moi, j'ai oublié de trouver ça. Pour détecter la dysplasie absolue potentielle, il faut regarder les parents, les rapports de proportionnalité. Hein? On a parlé de ces rapports brachial, crural, androgénique et masse musculaire. La masse musculaire, c'est quelqu'un qui est très lié avec l'indice androgénique. Et il faut trouver, maintenant, on est en train de trouver, on fait étude pour savoir avec de simples mesures anthropométriques. Si un enfant de 10, 12 ans, il aura une bonne masse musculaire quand il sera un adolescent ou un adulte. Et pour ça, on sait déjà que le diamètre maximal de l'avant-bras est un indicateur potentiel. Et je crois, ça c'est une théorie à moi que je peux vous expliquer, que le diamètre inférieure de la cuisse, ce qu'on prend autour du vaste interne, suprarotulien, cet indicateur, ou pour répéter, un indicateur dit masse musculaire potentielle. Mais c'est ça que je suis en train d'étudier. Alors, professeur, juste Oui. une question rapidement sur ce que Oui. vous venez de présenter, c'est important. Alors, est-ce que d'abord, il y a des outils pour mesurer ou pour avoir ces mesures qui nous permettent de dire, tiens, voilà les proportions à tel niveau, et voilà les probabilités de sa performance ou la performance de ce sportif dans le sport choisi. Est-ce qu'il y a des outils de mesure? Est-ce qu'il y a des machines, des appareils?
On a besoin de rien. Il n'a pas besoin d'une cime métrique et d'un anthropomètre pour mesurer la taille. Ça, c'est très bon marché. Hein? Croyez-moi, l'unique problème, c'est de standardiser les mesures. D'accord. Et alors, est-ce qu'il y a un tableau, c'est la suite de ma question, est-ce qu'il y a un tableau, je dirais, qui recense ces mesures ou la standardisation de ces mesures et qui sont au niveau international, mondial? Oui, oui, bien sûr, et quand même, comme je l'expliquerai maintenant, ça ressemble, tout le monde mesure ces athlètes, mais le problème c'est qu'on mesure de différentes manières et comme ça, on ne peut pas comparer. Et c'est le problème que en recherche scientifique est connu comme le problème de la généralité. Tu ne peux pas généraliser tes dates si tu les mesures de la même façon qu'on mesure à la Chine, à la Russie ou à la Fondée. Et dites-moi, et comme ça, j'ai fini cette part. Même, il y a des travaux, il y a des livres de biomécanique dans lesquels on travaille avec des rapports ou des mesures anthropométriques qui sont pas les actuels. Ce sont des erreurs. Il faut réactualiser les mesures avec lesquels on fait le calcul biomécanique de beaucoup de ces sports, de la gestoforme de ces sports. Entre elles, l'index dans ces fameux livres de Drillis et Contini, encore, qu'on fait servir encore, hein, il y a, à mon avis, à mon modeste avis, des erreurs sur les rapports crurales, iliacromiales, envergure, la cuisse, la jambe, etc. Ce que vous me demandez, utile de la kinanthropométrie, rien. There is, of course, si on parle de composition corporelle, on peut avoir de beaucoup de machines, et comme vous savez, c'est difficile de trouver quelque chose avec laquelle on peut quantifier et que c'est très facile. Mais pour les mesures anthropométriques, pour l'anthropométrie, comme je vous ai dit, on a besoin d'une cime métrique, d'un lipomètre et des choses que n'importe quel plot modeste de n'importe quel petit bill a. Alors, l'anthropométrie, c'est la moins chère et aussi valable que d'autres méthodes. Elle a un seul problème. C'est la... Oui, monsieur. J'entends bien qu'au niveau outils, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses, mais j'imagine qu'il faut une connaissance des rapports entre justement les mensurations du corps et la performance ou bien et la spécialité sportive que l'athlète doit choisir. Il faut avoir cette expérience et puis cette connaissance, je dirais, pour interpréter les mesures. Oui. Comme je vous ai dit, il ressemble très simple, mais ce n'est pas très compliqué. Mais les protocoles doivent être entraînés pour contrôler la précision. La précision, en anglais, c'est reliability, c'est la variabilité des mesures répétées non consécutives. Ça, c'est très important parce que quelquefois, on mesure, on dit oui, je mesure pour m'assurer de ma précision, je mesure deux ou trois fois mes athlètes. Mais il fait les mesures répétées et ça, c'est pas valable. Ça, c'est une grande erreur. Il faut passer tous les protocoles et après faire une deuxième mesure. Et pour contrôler l'exactitude, c'est-à-dire à quel point la mesure est-elle réelle, tu dois connaître, on doit travailler avec des scientifiques expérimentés.
Et c'est pour ça, et comme ça on arrive au final déjà, c'est pour ça que l'ISAC, l'International Society for the Advancement of Anthropometry, a été fondée à Glasgow, Scotland, au Royaume-Uni, le 1986. Ça a été fondé par une fondation de professeurs de la British Columbia University au Canada, à Vancouver. Et ça a déroulé à l'International Working Group on Kinanthropometry et l'ISAC. L'objectif, la finalité de l'ISAC est simplement la standardisation des protocoles de mesure. C'est connu comme International Standards for Anthropometric Assessment. Pour ça, on a un protocole, une manière de faire, un cours. Le niveau 1, c'est ce qu'on dit, le profil restreint technicien, qu'on enseigne à mesurer 21 variables. Le niveau 2, c'est le profil complet. Le niveau 3, c'est qu'on dit instructeur. Et le niveau 4, c'est sur le plus vieux. Hein? Professeur, combien de temps de formation par niveau? Oui, voilà. Ah, très bien, super. Voilà. Niveau 1, 24 heures. Ça, on peut faire dans une fin de semaine. Vendredi, samedi et dimanche matin. Ou 4 heures pendant la semaine, le plus important, ce sont 24 heures de cours. Le niveau 2, ce sont 30 heures. Et niveau 6, niveau 3, il y a une erreur ici. Ce sont 76, c'est un 7. D'accord, 76 heures. Une semaine. Mais ça, c'est pour le docteur Salah qui doit s'apprécier pour atteindre ces niveaux parce que je crois que vous en avez besoin. Pardon. Qui est-ce que nous sommes? ISAC aujourd'hui. Nous sommes seulement 30 000 membres de tous les 5 continents. Il y a 25 000, plus de 5 000 niveau 1, plus de 3 000 niveau 2, 429 niveau 3 et 15, comme je dis le plus vieux, niveau 4. Et je rappelle, professeur, que vous faites partie de ces 15 qui ont le niveau 4 au niveau mondial. Pas pour mon cerveau, pour mon âge. Disons la combinaison des deux. La combinaison des deux. Bon, regardez, monsieur Fekak est collègue du Comité national olympique de Maroc. Ici, il y a un trou. Un trou que c'est à vous à refaire. C'est pour ça que je suis très content d'être avec vous parce que j'espère d'avoir généré un intérêt à remplir ces trous. Ben, c'est pour ça, professeur, le Maroc prend toujours les initiatives pour être leader en Afrique, les initiatives pour créer ce pont entre l'Afrique et le reste du monde, et toujours le leader pour justement, je dirais, cet échange de savoir et de savoir-faire. Donc, c'est aussi un message qu'on passe à tous nos amis espagnols pour leur dire, soutenez le Maroc dans ses démarches et dans ses activités d'ouverture sur le monde. C'est ça. Je suis très content d'écouter ça. Et Platon disait que l'homme est la mesure de toutes les choses, même de celles qui ne sont pas. Un peu difficile de comprendre, mais c'est ce que Platon disait. Merci. Merci à vous, professeur. Shukran, merci beaucoup. Muchas gracias. Gracias.
Et vous pouvez me rencontrer dans ce mail. Et comme je vous ai dit, je vous passerai cette présentation et c'est tout le monde qui est intéressé pourra la voir. Oui, on partagera comme d'habitude avec toutes les personnes qui nous suivent sur le site du Comité national olympique. Ils peuvent télécharger toute la présentation, la vôtre, professeur, et celle que le docteur Salah va nous faire tout à l'heure. Mais avant, professeur, moi, j'ai deux questions des personnes qui nous suivent. La première question, est-ce qu'il y a des mesures universelles que l'athlète doit respecter? Car on peut trouver deux joueurs qui jouent au même poste avec des mesures anthropométriques différentes et ils sont tous les deux performants. C'est-à-dire que c'est le même poste de deux joueurs, si je prends le foot par exemple, deux joueurs qui jouent au même poste, ils ont des mesures différentes et tous les deux ils sont performants. Est-ce qu'il y a des mesures universelles que l'athlète doit respecter ou que les sélectionneurs doivent respecter? Bon, première chose, il y a des exceptions toujours. Seconde chose, vous avez mis un exemple, les sports d'équipe, que par sort, les succès dans les matchs de football, de tous les sports joués par beaucoup d'athlètes, et où il y a une balle, les variables du succès sont multiples. Alors, par sort, prédire le succès avec de la morphologie dans les sports d'équipe, c'est plus complexe. Mais quand même, si vous voyez, si on voit une équipe de foot, comment est-ce que les gardiens bout? Est-ce que vous choisirez pour votre équipe un gardien bout de moins de 1,80 m? Non, pas du tout. Et il y a des postes que on doit que la constante morphologique c'est désirable. Mais par sort, il y a dans le foot et dans tous les sports d'autres choses qui comptent. Alors, professeur, si je dois résumer, la kinanthropométrie est une science qui permet de faire des mesures entre la morphologie du sportif et sa performance. Ça aide dans la sélection pour le sport d'élite, essentiellement pour les sports individuels, mais ça peut beaucoup aider aussi pour les sports collectifs. Bien sûr. D'accord. Alors, j'ai une deuxième question. Que pensez-vous du modèle de préférence motrice qui est très à la mode aujourd'hui? Doit-on travailler les points forts ou améliorer les points faibles de l'athlète? Voilà, c'est Michel Destin qui pose la question, et Michel Destin, il vient de loin, il vient de la Martinique. Bon, salut mon cher Michel. C'est pas une question de kinanthropométrie, mais je réponds. S'il vous plaît. Je crois que c'est mieux de se concentrer dans les points forts. C'est mieux de se concentrer sur les points forts. Mais ça, c'est une opinion très subjective et peu valable. Merci beaucoup, professeur Jordi Porta. Merci pour votre présentation. On va toujours continuer avec la kinanthropométrie. Nous avons avec nous Dr Salahdine Haddo, je rappelle, qui est spécialiste de la nutrition des sportifs. Il a fait sa formation avec le Comité international olympique. Et puis, il a fait sa formation avec l'ISCA. Il est niveau 1 ou niveau 2 en kinanthropométrie. Un garçon toujours curieux, toujours en train d'apprendre. Si Salahdine Haddo, marhaba bik. Marhaba, c'est Hassan. Merci beaucoup, c'est Hassan. Merci encore une fois au Comité national olympique marocain pour cette initiative, justement. Je tiens à remercier, bien sûr, à travers vous, notre cher professeur Jordi Porta, qui était très généreux, justement, dans sa présentation. Et je crois qu'on a bien fait de l'inviter pour éventuellement donner cette première conférence, visioconférence sur la kinanthropométrie que je crois que beaucoup de gens aujourd'hui, surtout nos athlètes, les gens qui travaillent avec les athlètes, ils vont y trouver un grand intérêt, inchallah, pour développer cette discipline au Maroc. Mais tout à fait, je confirme ce que tu dis, c'est Salahdine.
la kinanthropométrie devenue une science essentielle pour la sélection, la détection des talents et l'investissement sur certains talents pour la spécificité ou la spécialité dans leur sport respectif. Alors moi, c'est Salah, je voudrais revenir avec toi sur une question très précise. Toi, tu es spécialiste de la nutrition des sportifs, tu es aussi un spécialiste de la kinanthropométrie. Quel est le lien entre les deux? Quel lien tu fais entre les deux? Donc, le lien, il est simple. Moi, je ne voudrais pas que qu'on l'on croit que la kinanthropométrie, ça sert uniquement à détecter les talents au plus jeune âge. Au contraire, nous, dans notre pratique quotidienne de la nutrition du sportif, nous avons toujours besoin d'évaluer quelque chose comme la composition corporelle de nos athlètes et nous avons besoin d'un modèle ou bien d'une méthode de mesure de la composition corporelle qui est premièrement qui est fiable, deuxièmement qui est accessible. Parce qu'on va voir aujourd'hui dans ma présentation, je vais faire un brassage des différentes méthodes de mesure de la composition corporelle et on va voir que finalement cette kinanthropométrie, elle nous permet d'avoir déjà un savoir meilleur de ce qui est le corps, de ce que sont les mesures du corps qu'on devrait trouver pour orienter déjà l'athlète pendant ses entraînements, le préparer pour la compétition. Et du moment que nous sommes en train de parler du sport d'élite, c'est de lui dire que ça ne vient jamais par hasard. Bon, c'est vrai que la génétique, elle est ce qu'elle est, mais notre corps, il va toujours être tributaire de la façon comment on va manger, de la façon comment on va s'entraîner. Mais dire que ça y est, c'est les apports énergétiques qu'on va faire rentrer dans notre corps et la dépense énergétique, elle va justement nous donner cette composition corporelle qu'on recherche, c'est pas suffisant pour déterminer si l'on est capable d'aller chercher une performance. Donc, si je voudrais résumer, la kinanthropométrie chez un nutritionniste de sportif, c'est l'art de mesurer le corps et surtout d'évaluer l'évolution de la composition corporelle d'un athlète, surtout l'athlète de sport d'élite. D'accord, allez, on est bien d'accord, c'est ça là. C'est pour d'abord donner des orientations sur le choix ou la spécialité sportive. Ça, c'est quand on a affaire aux jeunes athlètes, quand on est dans un institut de sport, quand on est dans une fédération, quand on est dans l'orientation, c'est sûr. Parce que on peut mettre la mesure des jeunes, comme a dit le professeur Jordi, entre 7 et 15 ans pour définir éventuellement quel est le meilleur sport auquel on peut attribuer cet athlète ou cet athlète. Mais pour le sportif d'élite d'aujourd'hui qui est déjà dedans, qui est déjà dans le sport de prédilection, la kinanthropométrie lui permet d'avoir une évaluation très très fiable, d'accord, et très juste des différents compartiments de son corps, de sa composition corporelle pour juger de son statut nutritionnel. Parce que on oublie, quand on juge du statut nutritionnel, on a toujours tendance à juger uniquement du poids ou vraisemblablement de la masse. Or que la masse uniquement, elle ne donne absolument pas le véritable reflet de notre statut nutritionnel, alors qu'on devrait penser à mesurer la composition corporelle, c'est-à-dire le taux de la masse, le taux de la masse musculaire, la masse hydrique, et ainsi de suite. Est-ce que vous pourriez nous dire comment faire, c'est ça là? Oui, moi je vais vous expliquer, si vous le permettez, avant de passer à ma présentation. Oui, donc si vous voyez là, tout à l'heure vous avez posé la question à professeur Jordi, quels sont les outils dont on a besoin. Donc, en général, pour un anthropométriste niveau 1, on a besoin d'un petit coffret comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Oui, on le voit. Très bien. Voilà, c'est un petit coffret qui est fait de pinces qui nous permettent de mesurer les plis cutanés selon une méthode bien standardisée, comme a dit Jordi Porta, c'est-à-dire au niveau 1, on va aller chercher certaines variables de niveau 1, c'est-à-dire 21 variables qu'on va rechercher, pas uniquement avec les pinces, mais aussi avec cet appareil qui est un paquémètre qui va nous permettre de mesurer les diamètres, aussi un simple mètre qui nous permet de mesurer les diamètres du corps
D'accord? Donc, la cuisse, le bras, il y a tout un protocole à suivre. D'accord? C'est une mesure qui devrait durer, aller entre 20-25 minutes grand maximum par athlète et qui nous permet d'avoir plusieurs mesures qui nous permettent justement, une fois vous avez parlé des tableaux, aujourd'hui il y a moyen de les faire entrer dans un logiciel pour nous donner exactement le taux de la masse grasse, le taux de la masse musculaire, pour juger du statut nutritionnel actuel D'accord. de Donc, on peut l'athlète. orienter, si j'ai bien compris, pour résumer, vous faites ces mesures chez un athlète. Je prends l'exemple d'un coureur, par exemple, d'un coureur de fond ou de demi-fond. Et par rapport aux paramètres standardisés sur le plan international, vous pouvez lui dire pour monter en masse musculaire, pour monter en si, voilà peut-être pas le régime, mais le modèle nutritionnel que je vous préconise. Exactement, exactement. La D'accord. mesure de Donc, la composition corporelle, c'est une mesure qui est, allez, on va dire obligatoire. Si on va parler de la méthode ISAC, on va la mettre peut-être une fois tous les 3 mois chez un athlète, avec d'autres méthodes qui nous permettent de voir l'évolution. Et je vais partager avec vous les données de quelques études qui ont été publiées justement sur la variation que peut avoir un athlète durant tout son cycle d'entraînement avant d'aller à la compétition, et vous allez voir que ce changement de la composition corporelle, il va influencer la performance. Et parfait. plus. Alors, c'est ça, docteur Salah. Il nous reste à peu près 20 minutes. Je vous laisse faire votre présentation et on reviendra Parfait. avec des questions s'il y en a, s'il vous plaît. Avec plaisir. Je ne sais pas si vous voyez la présentation. Pas encore, mais elle arrive. On la voit. Ah, vous la voyez très bien. Donc, comme on a dit, la kinanthropométrie, principalement chez le sportif d'élite d'aujourd'hui, on va la faire justement, ou bien on va l'exercer pour aller évaluer le poids et la composition corporelle. Donc, j'ai voulu partager avec vous cette revue d'études qui a été faite sous les auspices de la commission médicale du Comité olympique international en 2012. Jordi Porta, il a parlé tout à l'heure d'une publication de Tim Ackland, c'est un chercheur australien. C'est une étude qui a été faite entre les États-Unis, l'Australie, la Norvège, la Grande-Bretagne, l'Autriche, et donc qui nous a permis de sortir avec les données suivantes. C'est-à-dire, il a été prouvé que la quantification de la composition corporelle joue un rôle majeur dans l'évaluation de la performance et des entraînements chez les athlètes. Dans quelques sports, comme les sports gravitationnels, que ce soit le saut à ski, le saut de hauteur, de longueur ou du cyclisme, la composition même tissulaire, elle affecte profondément la performance. Dans les sports esthétiques, vous avez compris, tout à l'heure, Jordi Porta, il a donné des exemples, la danse rythmique, artistique, la gymnastique, le patinage artistique, le plongeon ou la natation synchronisée, il est fort demander chez l'athlète d'être fit, comme on dit, d'avoir la bonne composition corporelle et la bonne musculature nécessaire. Ça, sans parler des sports de classe de poids, c'est-à-dire le judo, la boxe, le taekwondo, la lutte, où les athlètes, ils ont intérêt à avoir un poids bien précis. Et là, il est fort intéressant d'avoir un outil de mesure de la composition corporelle qui est juste, et qui peut facilement préparer cet athlète à ne pas avoir recours à des méthodes qui peuvent impacter sa performance en réduisant le poids juste avant le jour de la pesée, par exemple. Et ça, c'est très, très, très important dans le sens où on voit si nous avons un athlète qui est mal préparé, un athlète qui ne connaît pas sa composition corporelle correcte, un athlète qui ne prépare pas sa compétition comme il faut. Vers les 2, 3 derniers jours avant la pesée ou bien avant la compétition, surtout quand il s'agit de judokas, de boxeurs, de taekwondistes ou bien des karatékas ou bien des lutteurs, ce sont des gens qui vont essayer à tout prix avoir le meilleur poids ou bien la meilleure masse possible, mais des fois ils ont recours à des méthodes qui vont impacter négativement leur performance. Donc Docteur c'est pour Salah, ça.
Docteur Salahdin, est-ce que vous pouvez parler de ces méthodes, par exemple, auxquelles certains sportifs vont avoir recours? Ben, il y a des méthodes, par exemple, la restriction calorique. C'est-à-dire j'arrête de manger pour perdre du poids. Voilà, quelqu'un qui a besoin, par exemple, pour sa journée de 2200 kcal, pour réduire son poids, il va aller chercher des régimes ou bien des diètes à 1000 à 1200 kcal. Et quand il va prendre 1000-1200 kcal, il sera en déficit. Et ça, ça concerne principalement le sport féminin. Et on sait tous que dans le sport féminin, l'un des gros problèmes qui est lié à la nutrition, c'est le déficit énergétique. Et on a tous peur, des fois, de voir nos athlètes en ayant cette tendance à aller chercher le meilleur poids. Ils vont suivre des régimes ou bien des diètes qui sont mal appropriées et qui vont principalement couper l'énergie. Le jour de la compétition, on va se retrouver avec la même personne qu'on sait, mais la performance, elle est autre, tout simplement parce que soit elle n'a pas su mesurer sa composition corporelle comme il faut, soit tout simplement elle n'a pas été suivie par un spécialiste, principalement en nutrition, qui va falloir gérer avec elle sa composition corporelle pendant toute la durée qui est pendant les entraînements pour que le jour J ou bien le jour de la compétition, elle arrive à son top niveau. Donc ça, pour vous dire à quel point le poids et la composition corporelle, ils jouent un rôle. J'ai ici une autre étude qui a été faite lors du passage de certains athlètes de amateurs au professionnalisme. Ce sont des athlètes japonaises. Et vous allez voir que, comme par hasard, il a été trouvé une corrélation négative entre la performance et l'augmentation de la masse grasse chez ces personnes-là. C'est-à-dire, on les a vus entre 2016 et 2017, ce sont 42 athlètes japonaises qui avant faisaient de la compétition dans le sport universitaire, et toutes les 42, elles étaient passées pour faire de la compétition avec les sportifs d'élite. Et on a vu qu'il y a eu une corrélation négative directe entre l'augmentation de la masse grasse et leur performance qui a diminué pendant 16 mois. D'un autre côté, il y avait une corrélation positive entre l'augmentation de la masse musculaire et la performance. Ça, c'est pour indiquer que la composition corporelle, elle a un lien direct avec la performance sportive. Et du coup, il ne faut plus jamais raisonner uniquement poids et la taille. C'est-à-dire qu'il va falloir toujours faire attention à sa composition corporelle. Et c'est le but de parler aujourd'hui d'une anthropométrie dans ce sens. Donc, les différentes techniques que l'on connaît de la mesure de la composition corporelle, c'est bien sûr le gold standard, ça reste la DEXA que vous voyez dans le haut du cran de l'écran à gauche. C'est une sorte de scanner. C'est une machine qui est très très fiable, d'accord. C'est le gold standard aujourd'hui pour la mesure, mais elle est réservée vraiment pour les grands centres de sport d'élite ou bien de performance. Nous avons au Maroc une machine pareille aujourd'hui dans le centre d'excellence Mohamed VI de football à Mamoura, et malheureusement il n'est pas accessible à tous les sportifs. À droite, il y a la bioimpédancemétrie qui est plus ou moins accessible du fait que, par exemple, moi aujourd'hui dans ma pratique journalière, j'utilise la bioimpédancemétrie, mais j'utilise aussi la méthode ISAC avec la mesure qu'on fait et dont on est en train de parler aujourd'hui. Donc toutes ces trois méthodes, elles répondent presque à la même fiabilité si l'on va les comparer avec la mesure, avec la DEXA ou bien la machine à DEXA qui est la Dual X-ray Absorptiometry. Donc, Dr Salah, si j'ai bien compris, vous faites des mesures de la masse corporelle, masse graisseuse et masse musculaire, et vous pouvez donner des orientations en nutrition aux sportifs pour améliorer sa performance. Exactement. Donc, le statut nutritionnel, la première chose qu'on mesure, c'est la composition corporelle. Pour avoir une idée générale
sur déjà comment l'athlète, comment est-ce qu'il mange. D'accord ? Donc, la composition corporelle, elle peut nous donner une idée générale. Mais par la suite, il va falloir aller faire une enquête nutritionnelle pour voir le comportement alimentaire de l'athlète pour mieux comprendre s'il est déjà, s'il suit déjà une diète appropriée à son sport, à son état, à son statut nutritionnel ou pas. Donc, moi, ce que je voulais vous dire ici, c'est que dans une autre étude, on est allé chercher l'effet ou bien l'impact de l'intervention nutritionnelle sur la composition corporelle, sur le comportement alimentaire et surtout sur le savoir et sur les connaissances en matière de nutrition chez les athlètes. Et on a fait une comparaison entre les adultes et les adolescents et on a trouvé, là encore, que les deux groupes, c'est-à-dire que ce soit chez les adultes ou bien chez les adolescents, on a trouvé qu'il y a toujours une amélioration dans la mesure de la masse musculaire chez ces athlètes en liaison directe avec l'amélioration du comportement alimentaire et donc l'impact de l'intervention nutritionnelle chez ces deux groupes, il est là encore direct, c'est-à-dire si l'on va changer notre comportement alimentaire, il va y avoir une meilleure composition corporelle. Et si on fait le lien entre cette étude et l'étude que je vous ai montrée tout à l'heure, s'il a forcément une meilleure composition corporelle, on est mieux loti pour aller chercher une performance meilleure. Bon, alors, docteur Salah, pour rappeler la composition corporelle, vous parlez de la composition, je dirais, musculaire, matière grasse et hydrique. Et hydrique, exactement. Ce sont principalement les trois compartiments, bien que les meilleures méthodes de mesure, ils mesurent quatre compartiments. Ils ajoutent à ça la partie minérale parce que c'est un peu plus poussé dans la réflexion. Mais généralement, ce dont on parle avec nos athlètes, c'est principalement la masse grasse et la masse musculaire et la masse hydrique. Bien que ici, on ne peut pas diaboliser non plus la masse graisseuse parce que ça dépend bien sûr des athlètes. Si l'on va parler un footballeur, c'est pas comme on va parler avec un gymnaste ou bien un marathonien ou bien avec un rugbyman ou bien quelqu'un qui pratique du football américain. Donc, il y a des sports où il y a beaucoup de contacts, où il y a des sports où l'on il est souhaitable d'avoir de la masse graisseuse, principalement dans le rugby par exemple ou bien dans le football américain. Mais si l'on va aller chercher chez les cyclistes ou bien on va aller chercher chez les gymnastes, on va voir que un petit changement de la masse graisseuse, il peut malheureusement impacter la performance de l'athlète. Donc, dans cette étude que je suis en train de montrer ici sur l'écran, donc je voudrais que nos athlètes qui nous suivent aujourd'hui fassent attention au fait que la composition corporelle, ça change sur toute une saison entre les séances d'entraînement, bien le cycle d'entraînement et le jour de la compétition. Et là encore, on est allé chercher à faire les mesures et on a vu, regardez ici, il y a la composition corporelle et la consommation, bien les apports énergétiques pendant la saison de préparation et la compétition, ils vont beaucoup changer. Vous pouvez voir ici que chez les coureurs, on a trouvé que les apports énergétiques, c'est-à-dire la quantité de calories qu'ils vont ingérer pendant la préparation en moyenne, c'est autour de 2640, alors qu'en compétition, ils ont eu plus de 3300 kilocalories. Ça fait quelque chose de 700 kilocalories de plus, ce qui pourrait facilement impacter négativement la composition corporelle et donc ça pourrait facilement avoir un impact négatif sur la performance par la suite. Et ça, que ce soit chez les hommes ou bien chez les femmes. Chez les hommes, c'est encore plus, si vous voyez la différence. Les 700 kilocalories entre ce qu'ils devraient normalement manger pendant la compétition, moins. Et chez les femmes, il y a quelque chose comme 400 kilocalories de différence. Mais ça fait beaucoup et ça pourrait facilement impacter la composition corporelle. Ça peut donner de faux résultats ou bien une méforme ou bien une mauvaise performance. Donc, dans cette étude-là, Il a été mentionné qu'il faut vraiment faire très attention aux apports énergétiques parce que ça peut impacter notre composition corporelle
Et donc, si jamais il n'y a pas un suivi, il n'y a pas une évaluation régulière de la composition corporelle, la personne, il peut facilement se retrouver avec un changement dans sa composition corporelle, et donc ça pourrait impacter négativement sa performance. Maintenant, l'intérêt aujourd'hui pour que je puisse intervenir avec professeur Jordi, c'est parler du point de vue nutritionnel, comment on devrait agir pour optimiser justement le statut nutritionnel des sportifs. Et comme on a vu dans l'étude qui a été publiée, le premier levier, ce sont les connaissances nutritionnelles de base chez le sportif d'élite. Et c'est quelque chose dont on souffre, nous, au Maroc, du fait que cette approche ou bien la discipline de la nutrition du sportif, elle est encore pas très, très pratiquée, elle n'est pas très, très suivie par nos athlètes ni par nos fédérations. D'où l'intérêt d'apporter, justement, d'où l'intérêt, l'effort qui est fourni par le Comité olympique national d'accompagner nos athlètes et les fédérations dans cette prise en charge, ne serait-ce qu'en matière de connaissances, pour que nos athlètes soient mieux informés, pour que leur savoir de base ou bien leur connaissance nutritionnelle de base soit meilleure. C'est-à-dire nos athlètes, s'ils veulent ce titre d'être un sportif d'élite, ils doivent penser à avoir une nutrition qui est appropriée à leur statut. D'un autre côté, il ne suffit pas d'avoir de bonnes connaissances en matière de nutrition du sportif, mais il faut aussi avoir le bon comportement. Il va falloir donner l'exemple en termes du comportement alimentaire, c'est-à-dire si je suis sportif, je ne peux pas me permettre d'avoir de la malbouffe dans mon alimentation. Je dois avoir, pas une diète, mais un programme nutritionnel qui est approprié, qui est censé couvrir mes besoins. Avec un bon comportement alimentaire, je suis censé avoir une bonne composition corporelle. Oui, Sidi Hassan. Sur ça, là, concrètement, c'est quoi le bon comportement alimentaire? Je viens, j'arrive. Moi, je vais vous montrer. Déjà, en matière de connaissances nutritionnelles, Salah, oui. Juste pour vous rappeler, on a aussi une question de timing. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Oui, moi j'arrive. On va finir, Inch'Allah, dans le temps. Donc, par rapport aux connaissances nutritionnelles, il est fort intéressant déjà d'accompagner nos athlètes pour qu'ils aient ces bases pour la nutrition santé, c'est-à-dire manger pour être en bonne santé. Ça, c'est très important. Deuxième point, il faut assurer que notre alimentation apporte les besoins en macro et micronutriments dont le sportif a besoin. Donc, il ne faut pas croire que si on va avoir un nutritionniste dans le staff accompagnant l'athlète, c'est juste pour mesurer le poids ou bien pour faire le gendarme, pour réduire le poids ou bien pour suivre un régime. Non, et il faut s'assurer que l'athlète, il mange et qu'il ait l'énergie nécessaire et principalement les macro et micronutriments nécessaires. Troisième point, il faut songer à avoir une bonne stratégie d'hydratation, surtout pour nos athlètes qui évoluent dans un milieu très, très chaud. Donc, l'hydratation, c'est primordial pour une meilleure performance. Et quand on parle d'hydratation, on ne peut pas parler d'hydratation sans parler des stratégies de récupération après les entraînements et après la compétition, sans oublier, bien sûr, les besoins nutritionnels en cas de blessure. Maintenant, pour le comportement alimentaire des athlètes, ici, j'ai cité cinq anomalies qu'on va retrouver, ou bien que moi, au moins, je retrouve auprès de pas mal d'athlètes que je suis actuellement, des marathoniens, des coureurs de fond, des taekwondistes, des footballeurs, des handballeurs. Principalement, c'est quoi? C'est les gens qui ne respectent pas les horaires des repas. Ils mangent n'importe quand. Ils n'ont pas des horaires précis. Ils ne mangent jamais selon leur planning d'entraînement. D'accord? La structure des repas, en général, sont des repas déstructurés. Soit on va retrouver plus de calories qu'il faut, soit on va retrouver plus de protéines qu'il faut, soit on va retrouver plus de gras qu'il faut. La malbouffe, c'est un malheur, c'est un problème majeur dont on souffre aujourd'hui. Et quand je dis la malbouffe, c'est pas dire malbouffe, c'est égal à manger à l'extérieur. Je peux manger à l'extérieur, je peux payer de ma poche pour manger à l'extérieur parce que je suis obligé de le faire, mais je peux bien manger. Du moment que je vais payer de ma poche, il va falloir que je sois un bon connaisseur et que je choisisse les repas et les plats qui sont compatibles avec mon statut d'athlète ou bien de sportif de haut niveau. Le saut de repas, donc il est très très important aussi de signaler ça comme un trouble majeur du comportement alimentaire, parce que des fois, nos athlètes
en croyant qu'ils, en sautant des repas, ils vont être en restriction calorique et donc ils croient que automatiquement ils vont perdre du poids. Malheureusement, à cause de ça, ils peuvent perdre du poids, mais ils peuvent perdre principalement de la masse musculaire. Et s'ils touchent à leur masse musculaire, ils vont toucher à leur performance. Le grignotage, automatiquement, si on va sauter les repas et si on ne respecte pas les horaires de repas, on va se retrouver avec des athlètes qui vont grignoter. Et là encore, le grignotage, malheureusement, ça se fait avec des chips, avec des chocolats, avec des choses qui ne sont pas compatibles avec, avec le bon suivi. Maintenant, et je vais finir dans, avec deux ou trois slides qui me restent, la composition corporelle, le plus important ici, c'est qu'il faut mesurer. C'est-à-dire, il faut être doté d'un moyen et d'outils qui nous donnent une mesure fiable et juste. Il faut mesurer aussi les apports énergétiques et leur répartition macronutritionnelle, c'est-à-dire l'intervention d'un nutritionniste ou bien d'un diététicien, elle est primordiale pour nos athlètes pour qu'ils sachent le petit-déj, au déjeuner, au dîner, comment ils peuvent organiser des repas de récupération, par exemple. Il faut aussi, si on veut aller plus loin, il faut mesurer le métabolisme de base. Ici, j'ai mis une photo justement de la VO2 max, mais ça nous permet principalement de mesurer les dépenses énergétiques quand on est en train de s'entraîner. Et ça, je crois qu'on est en train de s'équiper au Maroc petit à petit avec ce matériel qui permet justement de ne rien laisser au hasard quand on a affaire aux athlètes de haut niveau. Maintenant, quelle méthode choisir pour mieux mesurer la composition corporelle? Donc, j'ai quatre critères de choix. La fiabilité, la précision, le coût et la disponibilité et la commodité d'utilisation. Moi, j'ai ici mis en petite photo la bioimpédancemétrie. C'est une machine quand même qui doit coûter dans les 40 000 dirhams. Donc, le coût, malheureusement, il n'est pas accessible à tout le monde. Mais par rapport à l'ISAC, tout ce dont on aura besoin, il est là, c'est fiable. C'est précis, le coût, il est très abordable et la commodité d'utilisation, il faut bien sûr se former et pouvoir mesurer. Donc pour moi, la méthode ISAC, je l'ai connue à travers notre cher ami Jordi Porta et dans 3 jours, il va y avoir la première anniversaire de ma formation parce que c'était l'année dernière, en la 3e semaine du mois de novembre, le 21-22 à Barcelone et je salue non seulement Jordi Porta, mais toute l'équipe de l'Institut à Barcelone qui était très, très à la hauteur et qui ont permis justement à ce que je puisse avoir cette formation. C'était prévu qu'on passe déjà cette année au niveau 2, mais malheureusement, à cause du Covid, ça a été reporté. J'espère qu'on va le faire là très, très prochainement. Rapidement, par rapport à mon expérience de terrain, donc mon expérience de terrain avant novembre 2019, j'utilisais uniquement la bioimpédancemétrie quand j'étais, par exemple, au Hassanier d'Agadir, en tant que nutritionniste de sport. Et cette année même, avec le Wydad de Casablanca, je fais de même. Mais j'ai introduit la méthode ISAC parce que j'ai toujours les deux moyens de mesurer. La méthode ISAC, je la mets et je mesure une fois toutes les 3 mois. Mais avec la bioimpédancemétrie, je mesure une fois toutes les 2 semaines pour assurer un suivi très correct de nos athlètes et de nos joueurs pour savoir qu'est-ce qu'ils ont mené. Maintenant, le dernier point auquel je voudrais parler, c'est comme a dit notre cher ami Jordi, s'il faut standardiser l'acte de mesurer. Et donc, cette mesure, même quand on a un gold standard de l'ISAC, il faut respecter certaines choses. C'est-à-dire, si je vais mesurer, il faut que je mesure le matin à jeun. Le sportif, il doit avoir une bonne stratégie d'hydratation, c'est-à-dire son corps, il doit être bien hydraté. Il faut opter pour le même horaire pour la mesure, c'est-à-dire si je mesure à 9h du matin, je dois toujours mesurer à 9h du matin. Utiliser toujours le même matériel, c'est-à-dire les mêmes pinces, ou bien si j'ai du matériel, je dois toujours le réutiliser. Opter pour le même technicien, c'est-à-dire la même personne, parce que c'est quelque chose qui est lié à la personne et à sa façon de mesurer. Les niveaux 1, niveau 2 et niveau 3 et le critérium, vous avez dû comprendre que là, on est vraiment dans la technicité pure et simple, et c'est-à-dire plus on va augmenter dans les, ou bien aller vers les niveaux, c'est-à-dire c'est qu'on est de plus en plus expert et donc on a de plus en plus la main pour mesurer. Et la mesure, bien sûr, comme je vous ai dit, elle doit être régulière. En conclusion, dans le sport d'élite, ce que je voudrais souligner, c'est que mesurer compte. C'est-à-dire, il faut tout mesurer. Mesurer le poids, mais surtout
la composition corporelle, mesurer ses apports et ses dépenses énergétiques, c'est-à-dire l'energy in et l'energy out, ce que je fais rentrer dans mon corps comme énergie et ce que je fais sortir comme énergie. Mais le plus important, si on fait tout cela, c'est principalement pour mesurer la performance. Et la performance, c'est pas quelque chose qui vient par hasard, comme on a dit, c'est quelque chose autour de laquelle on travaille. Et j'ai cité ici une petite cotation qui nous vient peut-être du monde de l'entrepreneuriat. Ça, c'est un auteur, James Harrington, qui a dit « Measurement is the first step that leads to control and eventually to improvement. » C'est-à-dire que la mesure, c'est le premier pas qui va nous permettre de s'autocontrôler et qui va aller avec nous vers l'amélioration. Et donc, si vous ne pouvez pas mesurer quelque chose, vous ne pourrez pas l'améliorer. Si vous ne mesurez pas, vous ne pouvez pas comprendre. Si vous ne comprenez pas, vous ne pouvez pas contrôler. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste sur les mesures. Aujourd'hui, on parle de la kinétrophométrie, c'est-à-dire si on a une politique de sportif de haut niveau, il va falloir qu'on aille dès le plus jeune âge. Ça va nous permettre d'améliorer nos façons d'orienter nos joueurs. Et pourquoi pas, un jour, on va détecter un Michael Phelps, comme on a dit tout à l'heure, pour nous et pour tous les kinétrophométristes, c'est un modèle à suivre parce que rien qu'avec son envergure et avec la dimension de sa palme, on peut facilement comprendre ce que ça a eu un lien avec le plus grand palmarès qu'il a eu aux Jeux Olympiques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr. Salah Din Haddou. Merci beaucoup. Maintenant, moi, j'ai encore des questions. Et la première question, elle vient de Mme Touria Ben Nouh. Si vous me permettez, peut-on avoir des mesures précises sur la croissance qui sont nécessaires pour assurer un suivi et connaître le degré de maturité chez les athlètes afin de mettre en place des programmes d'entraînement, de compétition et de récupération conçus en fonction de leur stade de développement? Voilà la question de Mme Ben Nouh Touria. Enfin, oui. À vous, Salah Din Haddou. Oui, bien sûr. Moi, la notion de mesurer, c'est quelque chose qui doit accompagner l'athlète depuis son jeune âge. On a vu avec professeur Jordi, cette notion d'orientation, elle est très, très importante. Si on a un athlète qui, rien qu'avec ses données génétiques, il ne pourrait pas donner satisfaction dans un sport X, peut-être, et bon, il a ses qualités de sportif, il aime le sport, on peut facilement l'orienter là où il serait le mieux attribué. C'est-à-dire, on peut déjà l'orienter, avoir la bonne orientation, mais le plus important, mis à part l'orientation, c'est le suivi régulier. Parce que l'intérêt aujourd'hui, ce n'est pas uniquement trouver la bonne pépite, mais encore faut-il la polir, la traiter, la soigner, et pour qu'elle soit vraiment au top niveau. Et ça nécessite un suivi régulier. Maintenant, la notion, comme on a dit, et ça, la question pourrait toujours, là, professeur Jordi, sûrement, il répondra encore mieux, la prédisposition d'une personne X à prendre de la musculature, c'est quelque chose de détectable depuis le plus jeune âge. Alors, si on arrive à mesurer certaines mesures selon des critères bien précis, en calculant certains ratios, on peut déjà prévoir que cette personne, est-ce qu'il pouvait développer, par exemple, une musculature qui lui permettra peut-être de devenir un weightlifter, quelqu'un qui va prendre du poids, ou bien est-ce que, comme on a vu tout à l'heure, les coureurs, entre un coureur et un cycliste, donc des fois, on a juste l'impression que celui qui a de jambes, de plus grandes jambes, il pourra facilement faire cycliste, or que ce qui est intéressant, c'est principalement la dimension de son fémur qui est beaucoup plus intéressante. Donc, tout moi, à fait. On en a parlé. Merci beaucoup, Dr. Salah Din. Je voudrais quand même poser une question de Frédéric Sadis de France, de Paris. Quelle fiabilité des balances à impédance-mètre classique utilisées par les entraîneurs? Quelle est la fiabilité? Voilà, quand on parle d'impédance-mètre classique, c'est-à-dire que ce ne sont pas des impédance-mètres professionnels. Aujourd'hui, on produit de plus en plus d'impédance-mètres qui peuvent être fiables, mais il faut vraiment être très, très vigilant par rapport, comme on a dit, à la standardisation de la mesure. C'est-à-dire, si une personne qui vient faire la mesure après un entraînement, elle va vous donner facilement des résultats erronés. Donc, il faut vraiment standardiser, il faut choisir
la bonne machine, parce que les machines, elles sont différentes. Il faut choisir les machines qui nous permettent de mesurer les quatre compartiments, c'est-à-dire la masse grasse, la masse musculaire, la masse hydrique et la masse minérale. Merci beaucoup, Dr. Salah Abdel Haddo. Pour conclure, Dr. Professeur Jordi Porta, à vous. J'ai quelque chose à dire sur les méthodes de l'impédanciométrie. Normalement, on confond la fiabilité et l'exactitude. C'est pas très difficile que quelconque méthode d'impédanciométrie soit fiable. Fiabilité ou précision, c'est la capacité de trouver une variabilité bonne en des mesures répétées. Ça, ce n'est pas très difficile de le trouver. Mais ce que c'est difficile de trouver, c'est qu'en plus de fiable ou de précise, une machine, une méthode, c'est exact, c'est-à-dire c'est valable. Et comment on sait que l'impédanciométrie est valable? Ça, c'est le plus difficile. Mais ça, on devrait faire une autre vidéoconférence sur les possibilités réelles de l'impédanciométrie. Mais pour conclure, je dois vous dire qu'il n'y a pas de problème à faire servir les méthodes que tu veux ou que tu as. Mais il faut savoir ce que tu fais. Et quand on fait une mesure avec l'impédanciométrie, ce que tu mesures directement, ou ce qu'on peut considérer valable, c'est la mesure de l'hydratation. À partir de cette mesure de volume d'eau, on fait des estimations indirectes des autres tissus. Et ça, il faut le savoir. Très important. Merci beaucoup, Dr. Jordi Porta. Un mot de conclusion, Dr. Salah Abdel Haddo. Moi, je suis très, très content. Je crois qu'aujourd'hui, avec la présence de professeur Jordi Porta, on a pu initier, entre guillemets, la communauté sportive marocaine à la science de la kinanthropométrie. Je crois que nous aurons, inchallah, le temps de, peut-être, avec vous, de travailler sur un projet intégré, parce que finalement, l'intérêt aujourd'hui, c'est pas uniquement de parler de la kinanthropométrie, mais de la ramener au Maroc et de former principalement le athlète support personnel ou bien les gens qui vont accompagner ou bien les staffs de nos athlètes à maîtriser cette méthode. Et je crois que dans nos fédérations sportives, on doit avoir des spécialistes qui font ces mesures. Donc, et pour les former, au lieu aujourd'hui d'aller chercher, que ce soit en Espagne, bien qu'ils sont juste à côté, ou bien aller aux États-Unis, je crois qu'on va travailler, inchallah, sur un projet pour organiser des ateliers de formation, comme a dit le professeur Jordi, pour qu'on puisse avancer de l'avant et faire profiter à nos chers athlètes de ce que profitent les athlètes ailleurs, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou bien dans les autres continents. En tout cas, tout ce qui permet le progrès et l'évolution du sport marocain, le comité olympique est à la disposition. Alors, je rappelle juste tout à l'heure, Dr. Salah Abdel Haddo, le comité olympique a mis en place des dispositifs, des conventions pour accompagner tous les athlètes qualifiés aux Jeux olympiques ou en cours de qualification. Et nous leur proposons, en plus de la prise en charge financière des stages de compétition, nous leur proposons un accompagnement sur le plan médical, un accompagnement sur le plan nutritionnel et un accompagnement sur le plan de l'entraînement mental. Donc, tous les athlètes qualifiés ou en cours de qualification peuvent bénéficier de ce dispositif qui est mis en place par le comité olympique. Et effectivement, la kinanthropométrie nous semble un outil très efficace, important. Alors, on ne va pas l'introduire au Maroc puisque vous, Dr. Salah Abdel Haddo, déjà formé à la kinanthropométrie, mais on peut participer à sa médiatisation. Est-ce que le mouvement sportif marocain puisse utiliser cet outil? Merci beaucoup, professeur Jordi Porta. Muchas gracias. Merci beaucoup, a été un plaisir et un honneur. Shokran bzef. Merci, Dr. Salah Abdel Haddo. Merci à vous deux. Merci à tous ceux qui nous suivent et rendez-vous pour d'autres aventures sportives très bientôt sur la chaîne du Comité National Olympique et l'Académie Olympique Digitale. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Bonjour. Escape. Il y a ça, non?